d'aujourd'hui. Je ne suis pas lui. Je parle de Jean ici. Il se tient au milieu de vous. Et je ne suis pas digne de délier ses chaussures. Mais quand il viendra, il se fera connaître. Et aujourd'hui, il se tient au milieu de nous, dans la personne du Saint-Esprit. Oh là là, il se tient au milieu de nous. Les paroles sautent là, pleines de puissance. Oh là là. Il se tient au milieu de nous, dans la personne du Saint-Esprit, se manifestant davantage, entrant dans l'Église, se faisant connaître, parce que lui, l'épouse et l'époux seront le même, la même personne se faisant connaître. Voici la prophétie. Et un jour, vous verrez celui-là que vous avez senti dans votre cœur. Et voir, c'est une identification, Malachi 4, va se personnaliser devant vous, une prophétie. Un jour, mon ministère l'identifiera, mais dans le futur, cette personne va se personnaliser devant vous, aujourd'hui, maintenant. Alors, lui et vous serez un, aujourd'hui, pas alors, mais maintenant. Vous êtes unis par la parole, et la parole était au commencement. Nous retournons au commencement, ce qui était Dieu. Ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père est en moi, et moi en vous. Et vous en moi, nous y sommes. Alléluia. Je suis si heureux de le voir se personnifier devant nous et de voir ce qu'il a promis pour l'heure. Non pas l'émotion de quelqu'un, sauter, chanter, danser, mais c'est par sa parole qu'il se fait connaître. Et la gloire de Dieu entrera dans le temple et ils ne peuvent pas voir comment un ministre, cela va aveugler les théologiens quand il viendra dans cette épouse, elle sera enlevée au milieu de la nuit. Ils ne la verront même pas s'en aller. Gloire à Dieu. La gloire de Dieu va cacher l'épouse et les théologiens ne le verront pas. Amen. Gloire à Dieu. Saint Jean 17, 22. La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée afin qu'ils soient un, tout comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaits en un. Alors comment cela sera-t-il? Le messager, c'est vous, l'épouse élue, le message, les sept tonnerres, les sept vertus, la présence de Dieu, la charité, l'onction, la parole en nous, ce sera la parole ointe. Et ça, c'est l'unité de Dieu. Avec, vous comprenez ce que j'ai dit, rempli du Saint-Esprit. Et après que Jésus dut identifier l'heure, il a dû entrer dans le temple et lire Ésaïe 61. Et dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'était l'onction. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que le Saint-Esprit vient de me dire, relis-le, ils ne savent même pas ce dont tu parles. Alléluia. Il ne veut pas que vous manquiez ce point. Ainsi, je vais le relire, Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le Seigneur m'a oint pour prêcher une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé
pour panser les cœurs brisés, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture des prisons à ceux qui sont liés, pour proclamer l'année acceptable du Seigneur. Et Jésus s'est arrêté là, et il a laissé cette partie-là. Et le jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans les douleurs, tous ceux qui gémissent, aujourd'hui, le jour du jugement, il va vous consoler. Alors le prophète, dans les douleurs d'enfantement, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et j'étais là, en Arizona, et l'évêque Stanley s'est avancé, et il a dit, du calme mon enfant, Dieu est sur le point de faire quelque chose. Et frère Branham essayait de se déplacer, sa Bible, la page était collée, et c'était pour proclamer le jour de vengeance. Ainsi, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, mais il doit venir une onction dans le temple pour prendre le livre et dire la voix finale, dans l'âge final. Ça doit être un signe pour les rétrogrades, ceux remplis du Saint-Esprit, un secouement, ce jour-là est ici. Le prophète de Dieu lui-même a dit, dans les chefs-d'œuvre identifiés, Yuma, en Arizona, en 1964, avez-vous remarqué que Jésus s'est arrêté là au milieu? Il a dit, il a laissé cette partie-là pour ce jour-ci. Il a dit, l'épouse, je sais ce dont je parle, l'épouse doit prendre cette part-là. Quelqu'un, quelque part dans le monde, doit savoir où ils se tiennent, doit savoir d'où ils viennent, et entrer dans le temple, et prendre ce livre. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux. La voix finale, dans l'âge final. Gloire! Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, vous comprenez. Maintenant, cela a été parlé. Maintenant, vous savez par la parole de Dieu que le jour de vengeance est ici. Maintenant, c'est réel pour vous.